Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo motivation ménage. Donc là, je devais nettoyer en profondeur le salon, le canapé et la cuisine. Là, je suis en train de retirer les rideaux du salon parce que je devais les tremper. Mais je me suis rappelé que les rideaux de ma chambre aussi sont blancs et qu'il y avait les draps à changer aussi. Donc là, je me suis dit, je vais juste les garder. Le lendemain, lorsque tout le monde sera parti au travail et à l'école, je vais retirer les draps dans la chambre des enfants, les draps dans ma chambre et aussi les rideaux dans ma chambre, et je vais tremper tous les blancs ensemble. Donc là, on était le lendemain, j'avais déjà retiré ce qui était à retirer et je vais aller tremper dans la baignoire. Vous connaissez déjà ma technique pour tremper tout ce qui est textile blanc. Je vais aussi profiter pour retirer le rideau de douche parce qu'il commençait à se salir, et surtout il m'a beaucoup aidé parce que lorsque j'ai mis les habits dans la baignoire, je les ai couverts avec ce rideau en plastique et il a permis aux habits d'être bien imprégnés dans l'eau, ce qui a fait vraiment les habits étaient très propres lorsque je les ai lavés. À la fin, après avoir trempé les habits, je vais venir retirer la décoration d'automne. J'avais pas mis grand chose, donc ce qui fait j'ai pu la garder longtemps et me choquait pas aux yeux vu qu'il y avait pas grand chose. Je vais juste mettre dans ce sac parce que c'est le sac avec lequel je suis allée prendre les décorations dans le locker. Je vais juste remettre à l'intérieur, et une fois que j'aurai la possibilité d'aller dans le locker, je vais juste amener ça et mettre dans la boîte prévue pour la décoration d'automne. Ensuite, je vais juste commencer à débarrasser la pièce, retirer tout ce qui n'est pas à sa place. Les décorations que je vais réutiliser pour la décoration de Noël, je vais placer ça dans un endroit facile d'accès. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je suis Michelle, maman de deux enfants. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ma vie de maman au Canada, de la décoration, plein de motivation ménage, des astuces, des retours de course et des recettes. Donc si jamais c'est un contenu qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Me laisser un petit like sur mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Et aussi un commentaire, en fait, lorsque vous faites tout ça, ça me permet vraiment de continuer à créer du contenu pour vous. C'est clair que c'est quelque chose que j'aime vraiment, mais lorsqu'il y a vraiment de l'engouement en arrière, que je sens du support de votre part, ça m'aide à aller beaucoup plus dans mon travail, de faire beaucoup plus de recherches, comme vous constatez. Au fil du temps, au fil du jour, la qualité de mes vidéos et la qualité du contenu s'améliore. Donc vraiment, je fais tout ceci parce que déjà j'aime faire du montage vidéo, la création de contenu, c'est vraiment quelque chose que j'aime. En plus, votre support me pousse vraiment à donner le meilleur de moi. Donc là, j'ai commencé à nettoyer le canapé. Ici, je retire tout d'abord les housses. Je vais taper pour que la poussière quitte un peu parce que bah, vu que c'est resté longtemps, il y avait de la poussière dessus. Et ensuite, je vais venir aspirer le bas de la chaise. C'était pas vraiment sale parce que on a vraiment interdit aux enfants de manger sur le canapé, ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de reste de nourriture, il n'y avait pas de saleté et tout, c'était impeccable. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me this. Après avoir dépoussiéré toutes les housses de la chaise, je vais prendre ma brosse de l'aspirateur et venir aspirer. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait des plumes qui restaient malgré l'aspirateur. J'ai décidé de retirer les plumes à la main, ensuite les aspirer, ce qui est bien sorti. Là, j'ai pris la tête de mon aspirateur qui est comme un tube et ça m'a permis d'aller vraiment dans
tous les recoins de la chaise, j'ai vraiment retiré tout ce qui traînait. Comme vous constatez, ce n'était pas vraiment sale, mais j'ai décidé de le nettoyer parce que ça faisait un bout, je n'avais pas nettoyé cette chaise en profondeur, c'est pourquoi j'ai fait ce ménage. Vous remarquez bien, après avoir fait ce ménage, c'était vraiment clean en bas, donc j'ai décidé d'aller nettoyer le reste de la chaise. Pour nettoyer le reste de la chaise, je vais juste prendre un seau avec une serviette microfibre dans laquelle je vais mettre un peu de détergent, mais vraiment juste un peu pour donner une bonne odeur à la chaise, et le détergent va permettre de retirer les saletés. Je trempe la serviette microfibre dans de l'eau savonneuse, comme vous pouvez remarquer, et je vais venir nettoyer, mais sans garder beaucoup d'eau sur la serviette. Et je viens nettoyer, je vais faire comme ça sur toute la chaise. Ensuite, je vais faire comme ça sur chaque coussin et je vais remettre les coussins en l'envers. C'est-à-dire que la partie sur laquelle on était assise, je vais la mettre par en bas et l'autre partie, je vais la mettre par en haut. Ce qui fait, ça me permet de faire une rotation et ne pas juste abîmer une face des coussins de la chaise. Malheureusement, je n'ai pas pu faire pareil sur le coussin qui prend le coin, ce coin-ci que je suis en train de nettoyer, parce que je ne peux pas le changer vu qu'il a été coupé pour respecter un angle précis. Mais c'est pas grave, j'ai juste bien nettoyer le côté qu'il fallait mettre et je pense que je vais contacter la compagnie pour savoir si je peux avoir un deuxième. Quand je pense que lorsque j'ai acheté ce canapé, j'étais un peu dubitative parce que j'étais comme c'était un peu sombre, mais sérieusement, pour une maison comme la mienne où on a juste une seule pièce à vivre, on passe beaucoup de temps en famille devant la télé ou même juste au salon, c'est vraiment un bon choix. Je pense que lui, on va le garder encore pour pas mal longtemps. C'est clair que c'est pas une couleur que je voulais à la base, mais c'est tellement utile. Après avoir nettoyé les meubles du salon, soit la table à manger, la table basse et le meuble télé, pardon, je vais venir prendre le balai et balayer le tapis et le sol afin de retirer les grosses saletés que mon aspirateur ne peut pas aspirer afin de ne pas l'abîmer, parce que j'ai constaté que parfois lorsque je force l'aspirateur à prendre des saletés que ça ne peut pas prendre, finalement le moteur de mon aspirateur finit par s'affaiblir. Donc pour éviter ça, avant de passer l'aspirateur, maintenant je vais d'abord passer un coup de balai. Ensuite, je vais venir du côté salle à manger, je vais bouger mon stock de décoration de Noël parce que depuis que je les ai ramenés du locker, j'ai encore ça là. Puis je vais retirer les chaises, je vais aussi balayer, puis je vais passer l'aspirateur. Ensuite, je vais prendre mon balai, lavette et je vais laver le sol. C'est vraiment tout ce que j'ai à faire de ce côté. Et avec mon petit balai pour laver, en fait, il y a un système qui me permet d'asperger de l'eau avant de pouvoir laver le sol. Donc ça m'évite de me baisser vu que là, c'était vraiment un ménage de surface. Et je ne voulais pas me fatiguer comme à l'habitude, mais vous savez que moi je préfère personnellement laver le sol en me courbant pour pouvoir prendre toutes les saletés. Mais vu que là l'espace était assez visible, il n'y avait pas de recoin où je devais partir. Les plaintes du salon, je pense que c'est beaucoup plus au mois de décembre que je vais faire ce ménage là, parce que je pense qu'au mois d'octobre j'avais déjà nettoyé cette partie de la maison, donc je vais encore re-nettoyer en décembre. Mais là je voulais vraiment que la pièce soit très propre. There's not much to do.
when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Lorsque j'ai fini de nettoyer du côté salle à manger, j'ai profité aussi pour changer le centre de table de la salle à manger. J'ai juste retiré ce qui était là et j'ai mis une fleur blanche toute neutre. À la base, je voulais garder le coussin avec écrit dessus « Hello Pumpkin ». Et puis, je me suis dit déjà que c'est la seule chose qui rappelle l'automne. Donc, mieux je retire et je mets ça dans ce coussin qui est beaucoup plus dans les couleurs rouges de Noël. Donc, j'ai retiré ce qui était là. Les coussins chez moi, on les utilise beaucoup. Donc, je ne peux pas juste les retirer comme ça, même s'ils ne vont pas avec la saison actuelle. Donc j'ai gardé les coussins qui ont les petites fleurs d'érable dessus. Après, ça reste du neutre, donc c'est pas très flashy. Lorsque ça se regarde comme ça, vous n'êtes même pas capable de voir qu'il y a des coussins avec des fleurs d'automne dessus, donc ce n'est pas très visible. C'est pourquoi j'ai gardé ça là. Là, je vous présente un peu le salon lorsque j'ai fini de faire le ménage. Lorsque c'est propre comme ça, c'est vide, je vois bien tout, je suis tellement contente. Dernièrement, je suis en train d'hésiter si je vais décorer ma table basse pour Noël, parce que c'est une table qu'on utilise beaucoup à la maison, et tout le temps retirer ce qui est dessus pour ranger ailleurs. Je pense que je vais juste pas gêner ma famille avec des choses qui vont tout le temps soit déplacer, soit je vais tout le temps avoir peur qu'il casse et je vais crier dessus. Donc je pense que je ne vais pas décorer. Anyway, je vais voir lorsque je vais faire ma décoration. Là, je passe à la cuisine. Je vais d'abord débarrasser tout ce qui était sur l'étagère. La veille, j'avais acheté quelques produits d'entretien pour la douche, donc je vais juste ramener ça à la douche pour ranger. Et là, je vais venir ranger quelques petites choses que j'avais. Là, c'était du haricot blanc qu'on m'avait ramené du pays. Depuis, je n'avais pas pu mettre ça dans un contenant parce que j'avais aucun contenant de libre et je ne voulais pas en acheter. Donc, ce contenant s'est libéré dernièrement. Là, je vais juste transvaser le haricot dans le contenant et ranger. Je vais libérer en fait le plan de travail pour pouvoir commencer à faire le ménage, parce que dernièrement, sur le plafond de ma cuisine, j'ai remarqué qu'il y avait de la saleté. Vous savez, à force de cuisiner, la graisse s'accumule. Vous voyez un peu le style de graisse qui s'accumule sur la hotte. Effectivement, j'avais cette même graisse au niveau de mon plafond, donc je vais nettoyer ça. Dernièrement, lorsque j'étais en train de faire la bouillie des enfants, j'écrasais avec cette machine-ci et elle avait arrêté de fonctionner, donc je l'ai laissé reposer quelques temps. Et là, j'étais en train de réessayer pour voir si ça recommençait à fonctionner, parce que j'ai commencé à regarder déjà d'autres machines et je voulais être sûre que celle-ci ne fonctionnait plus avant d'aller en acheter. Mais je pense que ça recommençait à fonctionner, donc j'étais sauvée. Actuellement, avec la fin d'année qui arrive et tout, on n'a vraiment pas le budget à se racheter une nouvelle machine, bien qu'en cette période-ci, il y a beaucoup de soldes sur les électroménagers. Donc là, je continue juste mon rangement avant de commencer avec le grand nettoyage. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Après avoir vidé totalement le plan de travail, je vais prendre mon désinfectant Pink Staff. Vraiment, ce produit, c'est un must-have. C'est clair qu'il n'a pas les produits les plus sains au monde, mais je vous assure que juste acheter ce produit dernièrement, ça me permet de nettoyer
toutes les pièces de la maison. Il est environ à 4$, mais moi personnellement qui achète beaucoup de produits pour le nettoyage, ce n'est que lui que j'achète actuellement. Il n'y a que lui, il est produit pour nettoyer la douche. C'est ces deux produits que j'achète ainsi que l'acide citrique. Ce qui fait que je n'ai plus d'armoire pleine de produits qui ne me servent à rien. J'ai juste aspiré ça un peu partout et je vais venir avec un seau que j'ai mis de l'eau ainsi qu'une serviette microfibre. Je vais venir nettoyer et comme vous pouvez constater, je ne sais pas si vous avez vu, lorsque j'ai commencé à nettoyer le plafond, il était beaucoup plus sombre et là il est beaucoup plus clair. Donc j'ai fait ça sur tout le haut de la cuisine et vraiment le résultat était impeccable. Dernièrement, lorsque je voyais ça, je n'arrivais pas à croire. J'étais comme toute flippée à savoir comment je devais nettoyer ça. Mais vu que j'avais le même problème à la douche, parce qu'aussi à la douche, à force de se laver avec la vapeur, j'avais aussi des taches pareilles sur le plafond de la douche. Donc j'ai d'abord nettoyé à la douche. Vous avez certainement vu ça dans mon vlog. Et lorsque ça a réussi, je me suis dit, là, je vais aussi faire pareil à la cuisine. Donc c'est comme ça, j'ai commencé par le plafond. Ensuite, je vais nettoyer toutes les portes et les armoires de la cuisine, de la gauche vers la droite, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Je vais aussi nettoyer le frigo, vu que mes frigos sont blancs. Je n'oublie pas de changer l'eau parce que à force de nettoyer, retirer la saleté, il y a bien de la saleté qui s'accumule dans l'eau. Donc pour continuer à faire son nettoyage avec de l'eau propre, je n'hésite pas à la changer. Entre temps, monsieur était passé à la maison, donc il a insisté pour que je mette un masque, vu que bien évidemment les produits qu'on utilise, même s'ils sont décrits comme ça, ils sont un peu chimiques. Donc il a insisté pour que je mette un masque, ce que j'ai fait. Personnellement, je devrais avoir pensé sans qu'il n'ait à me le dire. Donc là, je continue juste à nettoyer. Au niveau des armoires de cuisine, je nettoyais avec la serviette microfibre et je repassais dessus avec le sopalin. Parce que ces armoires, en fait, si je laisse comme ça, juste en nettoyant avec la serviette microfibre, après, je vais venir avoir des traces de nettoyage dessus. Donc lorsque je repasse dessus avec un mouchoir sec, ça pourrait être une serviette microfibre sèche, mais j'ai préféré prendre des sopalins et ça donne un meilleur résultat et surtout ça sèche directement. Donc là, j'ai nettoyé derrière le micro-ondes, je continue à vraiment bien nettoyer. C'était du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Donc j'ai d'abord commencé en haut. Ensuite, je suis allée à la gauche, puis j'ai commencé à nettoyer tout le plan de travail. J'ai nettoyé où je mets la farine et le sucre. J'ai nettoyé derrière le micro-ondes. Et là, je m'attaque au tiroir d'en bas. Vu que ces tiroirs, ils sont beaucoup plus sales. Ils avaient beaucoup plus de la saleté, vu que je passe mon temps à me déplacer avec des marmites d'un point A à un point B. Donc, ils avaient beaucoup plus de crasse et qui m'a demandé beaucoup plus de travail, beaucoup plus de pression. Il fallait que je frotte vraiment en profondeur de l'extérieur et de l'intérieur pour pouvoir bien retirer les saletés. Oh, even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you. Bien évidemment, je n'oublie pas la cuisinière. Donc, j'ai soulevé le plan de cuisson et j'ai nettoyé le bas. La chance, c'est une cuisinière qu'on peut facilement dépiécer. Donc, j'ai soulevé le bas, j'ai nettoyé. Là, vu que j'avais pas les pièces de rechange pour les ressorts, je n'ai pas pu les changer, mais je vais regarder la prochaine fois lorsque je vais faire les achats. Je vais regarder si je peux changer les socles de ma cuisinière. Ensuite, je suis passée du côté de l'évier, j'ai lavé tous les assiettes sales qui étaient là. Je vais juste bien nettoyer, bien sécher et je vais passer au sol. Au sol, je vais d'abord balayer pour retirer toutes les saletés. Vous savez bien, à la cuisine, il y a toujours des petites choses qui tombent lorsqu'on fait à manger, lorsqu'on épluche des fruits, lorsqu'on fait la boîte à linge des enfants. Aussi, les enfants, lorsqu'ils viennent parfois vider des choses, ils laissent tomber des restes de nourriture. Donc, je vais venir balayer d'abord afin de retirer toute la saleté qui était dessus et je vais prendre mon balai lavette pour laver le sol. C'est vraiment tout. Je vous ai dit, le balai lavette, il a un système où ça nous permet d'asperger l'eau au sol. Donc, ce qui fait, j'ai pas besoin de prendre un seau. Et j'avais changé la lavette qui était en bas lorsque je nettoyais le salon. Donc, je vais juste utiliser la même lavette, continuer de nettoyer tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat de ma cuisine après nettoyage. I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would.
that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Voilà à quoi ressemblait la cuisine après ce grand nettoyage. C'était vraiment satisfaisant de voir tout très propre, très blanc comme ça, comme au premier jour lorsque j'ai fait mon grand ménage, lorsque j'aménageais dans cette maison. C'était vraiment satisfaisant. Ensuite, je passe du côté du salon pour remettre les rideaux que j'avais retirés. Les rideaux, je ne les ai pas laissés sécher à point dans la machine parce que lorsque je devais, si je les laisse sécher longtemps dans la sécheuse, en fait, ça devait se froisser lorsqu'ils devaient être secs à point. Donc là, je les retirais lorsqu'ils étaient encore un peu mouillés. Je vais les installer comme ça. Je vais ouvrir le patio, la porte patio, afin que les rideaux puissent sécher étant installés. C'est vraiment une astuce lorsque vous lavez les rideaux et vous ne voulez pas les repasser avant de les installer, parce que s'il faut les repasser, je n'ai pas une table de repassage pour pouvoir repasser des rideaux comme ça. Il faut que je l'installe sur le lit et moi, la corde de mon fer à repasser n'est pas très longue, donc ça devait être compliqué pour moi. Donc j'ai retiré les rideaux lorsqu'ils étaient lavés. Je les ai mis un peu à la sécheuse. Ils ont tourné juste quelques minutes histoire que ça réchauffe. Lorsque je les ai installés, ils étaient un peu chauds. J'ai ouvert les fenêtres et bingo, ça a séché en même pas 10 minutes. Là, je devais rajouter une deuxième couche de rideaux pour que ce qu'on fait nos soirées cinéma pendant l'hiver, ce soit vraiment noir à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Donc là, j'ai pris ces rideaux gris. Je les avais pris au IKEA. Je les ai depuis longtemps dans mon stock de décoration. C'est juste que je préférais lorsque j'avais juste le voile. Mais là, j'ai décidé de les mettre et j'avais aussi déjà cette deuxième tringle à la maison. Je les avais achetés depuis et ce n'est que maintenant que je les ai installés. Pour profiter de tout ça, j'ai aussi préféré installer mon sapin. J'aime toujours faire ça chaque année. J'installe d'abord le sapin, je le laisse vide et une à deux semaines plus tard avant que je vais faire la décoration. Mais vu que maintenant je l'installe et je vais faire la décoration comme une semaine plus tard. Et c'est vraiment ça. J'avais complètement oublié comment on l'installait. J'ai installé le 2 avant d'installer le 3 parce que mon sapin, lui, il était venu comme en 3 parts séparées. Et sur chaque part, ils avaient écrit les numéros. J'avais pas prêté attention. Et je vais venir mettre cette jupe de sapin que j'ai pris au HomeSense. Je pense que c'était 34$. Je vais installer ça et ce sera vraiment tout. Vous allez voir le résultat. Après, c'était vraiment beau. Voilà à quoi ressemble le salon après ce grand ménage et l'installation du sapin. J'ai pas eu besoin d'attendre très longtemps parce qu'actuellement à 15h il fait déjà noir dehors, donc vous trompez pas, il était juste 15h lorsque je faisais cette petite vidéo. Voilà le résultat, c'était vraiment calme et cosy. Et ensuite je vais vous retrouver très prochainement avec la vidéo décoration pour Noël. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si c'est le cas, on va laisser des petits emojis comme sapin en commentaire. Surtout n'hésitez pas à me laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se prend très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et encore passez une très belle semaine. Bye bye.